Bonjour à tous, merci d'être avec moi, moi j'ai mon grand café, j'espère que vous aussi vous avez quelque chose à boire, car on va se concentrer sur le début du deuxième chapitre du livre « Het mois. dat we delen ». Voilà, oui, mon image était partie un instant. Ok, euh, « Het is de eerste keer dat ik mijn slaapkamer weer in het volle daglicht zie ». C'est la première fois que je, à cause de date, je dois aller chercher mon verbe à la fin, date zi, que je vois ma chambre à coucher à nouveau dans la, dans la lumière de jour pleine. Euh, en, en pleine. En pleine lumière de jour, on va dire. D'accord Mais donc, vous avez vu, dans la pleine lumière. Euh, lumière de jour, ok Donc je le dis pour que vous compreniez bien comment on compose en irlandais. « As in deze ruimte is précis het me herinner. » Tout dans cet, euh, realm, cet, cet espace est exactement comme je me le, en irlandais, mais en français comme je m'en comme je m'en souviens, en tout is alles veranderd. Et quand même, tout, est, tout a changé. En néerlandais, tous les verbes de changement, c'est tout est changé, donc est avec être, ok? Levenloos, sans vie. Le loos, ça veut dire sans. Hein? Werkloos, sans travail. Levenloos, sans vie. Kil euh, froid. Als of hier nooit iemand werd grootgebracht. Als comme si Ici, jamais quelqu'un verte construction passive a été euh, élevé. Et donc vous voyez que le verbe c'est groot brengen, dont le participe passé c'est gebracht, mais donc groot brengen. Hein, vous voyez un petit peu rendre quelqu'un plus grand, donc élever quelqu'un. D'accord Donc comme si on n'a jamais élevé personne ici. Alsof hier nooit iemand heeft gehuild ou « gelachen. Comme si ici jamais, en français on va dire jamais personne, en irlandais jamais quelqu'un a pleuré ni ri. Als alles vergeten moest worden, comme si tout devait être oublié. Et on a de nouveau worden, on a donc de nouveau ici euh, une construction passive. Ik lig op bed, je suis couché sur le lit. En naar de stilte et écoute le silence. Attention en néerlandais, On n'oublie pas la préposition. Donc, de stilte, le silence, où je de afgelopen jaar zo naar heb Donc, le waar, en fait, ça c'est en attendant la préposition, naar. Verlangen naar. Hein, euh, ça veut dire avoir envie de ou verlangen ça peut être languir on peut dire aussi euh, et donc si on veut euh, on, on ne met pas c'est une pardon c'est un pronom relatif hein, en attendant la préposition on met var donc le silence en français peut être euh, dont ik heb verlang dont j'ai envie euh, zo tellement les années écoulées, les années précédentes. afgelopen » c'est ce qui est passé, ok. J'espère que vous comprenez le sens euh, de la phrase. Donc il écoute le silence dont il a eu tellement envie ces dernières années. Maar nu hunker ik vooral naar geluid dat het Mais maintenant je hunkeren Hunkrun, c'est vraiment avoir très, très envie de quelque chose. Euh, mais maintenant, j'ai très envie, voral, surtout, euh, j'ai envie de bruit ou de son. Et attention, il y a le nare, hunkrun, hein. nare, c'est la préposition qui va avec hunkrun. Donc, j'ai envie de, on va dire, bruit qui rend la vie normale. Donc, « maken », c'est faire, mais c'est aussi rendre quelque chose, changer en quelque chose, rendre. OK ?« Alledagse geluiden waar ik vroeger wakker mee werd. » Donc, « geluiden », des bruits de tous les jours, « alledagse ». Et donc, en, de nouveau, le « waar », c'est pronom relatif avec « me waar »,« mee ». Donc, « avec lesquels je werd wakker, je me réveillais, vroeger avant. Et donc, euh, se réveiller, en néerlandais, c'est « wakker worden ». Ici, « worden » n'est pas une construction passive. Hein. C'est juste « wakker worden ». C'est un peu comme « devenir réveillé okay ». OK Et c'est l'imparfait. « Die van dit huis thuis maakten ».« Ce », donc les bruits, « ce » de cette maison. Qui, euh, ah non, non qui pardon pas ceux qui faisait de cette maison mon chez moi ok donc dit c'est pas ce. c'est donc les bruits que dit les bruits qui faisaient de cette maison mon chez moi de wat stoppen van mama les pas de maman Het gekletter van glazen kopjes en borden donc gekletter, c'est un bruit mais c'est bien le bruit de de vaisselle contre vaisselle. Je n'ai qu'une tasse ici, mais donc ça c'est le D'accord? Uh, donc on va dire le bruit de verre, tasse et assiette. Warmte heeft een geluid. La chaleur a un bruit, un son. Je kunt het niet beschrijven. Tu ne peux pas le décrire, hein, ce bruit, mais je hoort immédiatement onmiddellijk wanneer il n'y a plus. Mais tu l'entends immédiatement quand il n'y est plus. Ça, c'est le i, le er. Ok Si ça avait pu. En fait, en français, on va dire si ça avait été possible. En néerlandais, si ça avait pu. En français, on va dire « j'aurais », mais en néerlandais, on peut dire « j'avais J'avais interdit le soleil à jamais encore opterkomen de se lever ». Donc, si c'était possible, « j'aurais interdit au soleil de se lever ».« Je schinde met Overtuiging mijn slaapkamer binnen ».« Ze, elle », mais en français « il », le soleil, brille avec conviction… Binnen, à l'intérieur de ma chambre à coucher. En me Et me rappelle, hein, c'est « herinneren aan » le « er » en attendant la phrase subordonnée. Donc, rappelle quoi ?« Dat ik bij de levenden hoor »« que je »« horen bij » c'est « appartenir »« que j'appartiens au vivant » Donc, « horen bij appartenir à »« que j'appartiens au vivant » Mais cela ne me réussit pas de venir en dehors de mon lit. Euh, en français, on va dire, je n'arrivais pas à sortir de mon lit. D'accord Mais « lukken se réussir, « komen » uit" sortir de. Je porte un pantalon de jogging, un pull et des chaussettes. De ochtend zindert. Euh, le matin, tôt de septembre, zindert et zinderen. Oh, Qu'est-ce qu'on peut dire Tête s'embrase. Ça fait un peu énergie, chaleur, zinderen. Hein? C'est un peu difficile à traduire. Et toch lijkt het hier te vriezen. Et quand même, het lijkt, il semble ici de geler. J'ai l'impression qu'il qu gèle ici, ok Donc, het ça semble. Ik wil uit bed komen. Je veux sortir de mon lit, venir en dehors du lit. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Mais je ne sais pas ce que je dois faire. Oui, mon téléphone. Je vais éteindre. what het vervolg is Ce que est la suite. Leven is nog nooit zo niet vanzelfsprekend geweest. Vivre n'a encore jamais été elle is geweest c'est a été n'a encore jamais été si pas évidente parce que vanzelfsprekend ça veut dire ça parle pour soi donc c'est évident donc la vie n'est pas évident, pas vanzelfsprekend. Zolang ik blijf liggen, tant que je reste couché, heb ik het gevoel dat ik het leven niets verschuldigd ben. » Donc, donc « je suis, je je reste le sentiment que je je suis, verschuldigd, redevable, rien à la vie. » Que je ne doit rien à la vie. Maar ook verschuldigd zijn ze être redevable. Dat ik niemand iets verschuldigd ben. Que je suis redevable de rien à personne. Donc, que je ne doit rien à personne. Oké? Okay? Ik hoop dat je de structuur begrijpt. Door het gesloten raam heen hoor ik hoe het kleine parkje verderop tot leven komt. Donc, dor, on peut juste dire dor sans le hin, alors c'est par la fenêtre, mais dor ensemble, ça veut dire à travers. Dor à travers la fenêtre fermée. j'entends comment le petit parc, verdrop, plus loin, vient à la vie. Donc, on va dire se réveille. Euh, ok, tot leven komen. Oui, venir à la vie, mais bon, je pense que. Se réveiller aimait mieux. Het grasfeld laat de. Je pense qu'après je regarde de buurtkinderen dromen. La pelouse fait rêver. Ici, laten, on ne va pas traduire comme laisser, mais fait rêver les buurtkinderen, les enfants du quartier. Voilà, on a déjà fini la page 12. Voilà, si vous avez des commentaires, vous voulez plus, vous voulez moins, voilà. Donnez-moi des commentaires, mais je lis tant qu'il. Enfin, donc, euh, je, ne sais pas, je ne sais pas parler, c'est encore tout le matin. Euh, donc, si j'ai moins de 10 lecteurs ou lectrices, alors j'arrête, tant qu'il y en a On continue. Ok, très bien, très très belle journée.